Ça va? Vous êtes tous là encore? Vous n'êtes pas endormis? Les esprits égarés. Oula. Non, ça va, t'inquiète, on joue avec la boule. On joue avec la boule? Oui. Tu joues avec la boule magique? Ah, j'ai un truc, moi, qu'on doit pouvoir mettre aussi encore. Du style, un truc qu'on fait tourner avec de la lumière. Alors, dans ici, mon chat? Ici, il me faut un code à 3 chiffres avec une boule. La boule magique. Ah bah, nous aussi, on a besoin d'une boule. Qu'est-ce qu'elle te dit, la boule magique? Ah bah, elle me dit rien, moi. Mort de rire, mort de rire. Et tu lui as demandé quoi, la boule magique? T'en as une, boule magique? Ouais, dans mon chat, ouais. Ah oui, en jeu. T'écris boule magique, là. Oh! Alors là, moi, j'ai une espèce de livre de recettes. Alors là, j'ai en sang physique à brûler. Ah bah, alors là, on est peut-être bon. Parce que ici, on a quelque chose avec des bougies. Ah, bah... Ah, une Saturne, boule. Jupiter. La Terre. Attends. J'ai trouvé la Terre, moi. Je tiens la Terre. Je tiens la Terre entre mes mains. Mais quel homme. Ah, ouais. Alors, ici. Ah, mais il y a des trucs qui s'ouvrent. Alors, c'est quoi, ça? Feuille de mandragore, mon Dieu. Bienvenue dans Harry Poutpout. J'ai Saturne, maintenant. Cliquez pour faire tourner, puis regardez à travers la coupe du cylindre. Hein? Et j'ai un petit bonhomme en bois avec la lettre A dessus. Alors moi j'en ai un avec la lettre C. Un mannequin. Un petit mannequin en bois aussi avec la lettre C. Et là j'ai un autre cadenas, pareil à 3 chiffres, avec les mannequins. Alors les mannequins par contre ils ont la tête, ils ont les bras vers le bas. Le mien moi il avait les bras en haut. Est-ce que je peux bouger ses bras? Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux pas bouger ses bras, moi. Je peux bouger quelque chose? Mais je peux remettre ça dedans? Non, je peux pas le bouger, le mannequin. Ah, c'est peut-être les mannequins. Alors, A. Ah. Ça voudrait dire quoi, ça? Peut-être qu'il y a des numéros avec... Donc on a plein de bougies. Ah, on a un moulin pour faire un truc avec de l'encens. Donc les planètes vont nous donner un code ici, les mannequins vont nous donner le code là. Et ça c'est quoi? Là c'est 4 chiffres. Et le symbole c'est quoi? Je sais pas. Oh mon Dieu. Moi j'ai un truc, j'ai des trucs avec des plantes. Eh ben là il y a un mortier. Mais c'est ça, je l'ai pris le mortier en fait. Oh et j'ai... Quoi? Ah là, non, je l'ai pas pris le mortier. Il y a plein de feuilles là. Ah bah attends, j'ai le bouquin. Vas-y. Alors, feuille de mandragore, mais attends, parce que du coup. Ça va être l'anarchie. Alors, on peut pas mettre les trucs en parallèle. En il parallèle. Faut qu'on fasse. C'est-à-dire. Faut qu'on fasse, en fait, je crois, de l'encens. Psychique à brûler, millions de cloches entières, feuilles de mandragore entières, amandes moulues. Ah bah attends, il y a tu plein de la recettes. Ah bah oui. Attends, et là j'ai les herbes. Regarde l'autre bouquin que je tiens. Tu vois? Mandragore. Si j'avais pu mettre les. Bah tu peux en épingler un. Ah yes! Ah je savais pas ça. Alors attends. Ah ouais, en fait, tu vas comprendre le jeu à la fin. Comme d'hab. C'est quand je finis un jeu que je fais « Ah ouais !» Ouais, on pouvait se baisser. Ça m'est déjà arrivé, hein, rigole pas. Hein. Je cherche la poubelle. Je vais mettre les coussins à la poubelle. Ils servent jamais à rien, les coussins. T'es prêt pour les herbes ou pas? Ah, non, mais oui. Donc, tu veux quoi? Eh bien d'abord, il faut des millions de cloches. Et les millions de cloches, c'est la feuille qui est violette. Celle-là, elle est facile. D'accord. Et entière. Il la faut entière. Donc tu la gardes entière. Attends. Surtout, tu la mets pas dans le... Dans quoi? Dans le mortier? Dans le moulin. Ouais.
Dans le mortier. D'accord. Bon, j'ai pris une. Alors, ensuite, il faut une feuille de mandragore entière. Donc, ça ressemble à une carotte blanche. Bah, j'ai pas de carotte blanche. Enfin, en fait, si tu veux, ça fait des racines. Ouais, mais ça j'ai pas. Ça fait des feuilles. Comment ça, t'avais pas? Bah, j'ai pas de racines. Ah, ça serait ça. Ah, peut-être pas. Non, c'est l'autre. Attends. Ouais, c'est celle-là, pardon. C'est la feuille qui est tout en bas à gauche. Tout en bas à gauche, ok. Ouais. Alors attends, faut que je remette mon truc. Et donc ça, je la mets dedans. Non, entière aussi. Donc je la garde. Ouais, et il faut de l'amande. Donc faut que tu prennes les amandes. Et moulues par contre, celle-là. Comment je fais pour les taper? Oh, magnifique. J'allais. Et du coup ouais, je suis pas en multi-stream, mais j'ai mis mon téléphone à côté, je vois ton live, donc du coup, je vois tes actions, ça a beaucoup mieux. Mettre comme ça, voilà. Donc, et là, du coup, c'est censé faire le tout ensemble, l'ensemble psychique à brûler. Donc, d'accord. Là-dedans. Mais dans quoi? Là-dedans, là, dans la marmite. Tu mets. Il n'y a pas de marmite. Dans la marmite, peut-être. Bah, une marmite avec des braises, là. Bah oui, mais je vais pas les mettre dans le feu. Bon. Peut-être mettre quelque chose dans le feu. Enfin, dessus. C'est comme ça que tu cuisines, toi? Tu fais un barbecue, tu mets la viande sur la braise, mais. Bah, en vrai, ouais, quand je fais un barbecue, je mets souvent dans de l'aluminium et je mets direct dans les braises. Ouais, y a beaucoup de choses que je fais comme ça. Ah, tu vois. Et ben voilà. Alors, tu mets des pommes de terre, mais ouais, je fais ça aussi, je mets des pommes de terre. Bon, bah ça c'est. La fait. Boule, elle a changé de couleur là, non? Eh ben les deux, je sais pas. Aucune idée. Et comment je fais pour des épingles ça, moi? Bah pareil. Tab, c'est quoi tab? Ça, ça s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas ouvert? Là, ah, ça s'ouvre voilà. Pas. Ok. T'as pas de clé? Non. Ici, il faut une clé. Ici, il faut un code. Ici, il faut un code. Et ici, il faut un code. D'accord. Ah! Avec les statues, regarde A, B, C, D, nanana. T'as quoi comme. Attends, regarde. Moi j'ai A. Regarde, on va faire un truc comme ça. Je peux pas la tourner. Non, mais ça se tourne ça, non? Attends, je mets les. Moi j'ai A, B, C. Pourquoi je peux pas le poser? Ah non, ça serait peut-être plus des positions. Mais ça se bouge, ça, non? Bah oui. Regarde. Mais ça serait peut-être pas avec les statues. Regarde, c'est plus des positions, j'ai l'impression. Oui. Mais alors, oui. Alors, les positions, elles peuvent ressembler à des chiffres je ou pas? Je goûterai pas. Ah bah oui. ça, c'est un 5. C'est un 5 et ça, c'est le C. Donc, dans le truc, c'est lequel? C'est celui-là? J'ai même pas fait le tour, moi. Non. En fait. Il est où, le... Ça, c'est la... Là. Ouais. Ah bah, ah oui, mais je vois rien, parce que... Pourquoi je vois rien? Oui, c'est ça. Le 5 en dernier. Ah, c'est des. Elles forment des chiffres, oui. Les statues, c'est oui. Ça? Donc moi j'ai la C et ça formait un 5 ou un 2. Alors la A, a priori, ça serait un 1. La A est un 1 et la B, ça serait un 8. Ouais,
1 et 8. A1, B8. Donc 1, 8 et... T'avais quel chiffre, toi? Ben, un 5 ou un 2. Bon, ça sera un 2. Ah, bon, déjà... Ah bah, j'ai encore des planètes. J'ai Jupiter, et ça, ça doit être Mars. Et on n'a pas un endroit où les mettre? Alors moi, j'ai un truc qui est trop bizarre, regarde. Ça, là. Et si tu le prends et que tu appuies sur le bouton, il y a le truc au milieu qui tourne. Ah bah attends, j'ai ce qu'il faut. Ah! Ah, il va pas dedans? Ah, il faut que tu prennes dans ta main, en fait. Et que t'associes. J'adore ce tableau. Bonne soirée, la Youille. Pardon, j'avais pas vu. Allez, j'y vais, bon courage. Merci, la Youille. Bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir été présent. J'arrive Merci. Pas à le mettre. Tiens, attends. Ça doit être plus simple. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Je t'ai tout mis à tes pieds. T'y arrives pas? Non. Alors, les planètes. Et de toute façon, j'ai 4 planètes. Je vois pas à quoi ça pourrait correspondre. Ah, pour garder par les petits roues. C'est quoi, c'est un 3? Alors ici, c'est balance, sablier et le truc pour donner l'heure, là, je sais plus comment ça s'appelle. Un cadran solaire. J'arrive pas à voir la différence. Bah, repose-le peut-être. Maintenant qu'il tourne. Ouais, mais c'est pas dit qu'il continue de tourner. Non. Ah bah t'as pas mis le truc, tu l'as encore dans ta ceinture. Non, le... mais... Ouais, si tu veux, j'ai voulu mettre les... Ah ouais, non, tu peux pas, tu peux rien faire en fait. Faut l'avoir dans la main. Ah bah attends, on a 4 planètes. Jupiter. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Ah bah je les ai les 4 maintenant. Jupiter, Saturne, Mars et la Terre. C'est censé faire quoi en fait? Vous avez compris du coup mon truc là? Parce que j'y vois rien, je vois pas la différence entre les deux bandes. Et j'arrive pas à les mettre ensemble en fait. Où est-ce que je peux le mettre? On peut enlever les bougies, non? Que je peux combiner? Alors Jupiter, qu'est-ce que je peux enlever? Je peux le mettre où Jupiter moi? Je peux pas les combiner. Alors là, j'ai bien les 4 planètes. Tiens, il cadeau celui-là. Je peux pas lui poser dans les mains. Non, rien compris. MDR casse-tête, mais ouais, parce qu'en fait, c'est censé afficher quelque chose et je vois pas. On peut bouger le lustre en haut. Bon, pour faire tomber des tokens quelquefois, c'est ça. Tu te rappelles au premier, on s'était rendu compte de ça une fois sorti. Et ouais, mais là. Et regarde ça là. Ouais. J'ai bien les 4 planètes moi. Jupiter, Saturne, Mars ouais. Et la Terre. Ouais. Ben ouais, mais j'ai les 4, mais je sais pas quoi en faire. Alors est-ce que ça a à voir avec les. On peut pas les enlever, les trucs. Avec la taille des bougies. Bah ouais, mais... Je les mets où? Donne-moi-en une planète.
Non, ça marche pas. Bon. Attends, je te la redonne. Et ça, on n'a pas fini. Hein. Tiens. On a arrêté notre potion magique, mais... Ouais. Zut. Ah, il y a un token dessus. Tiens, moi, je te donne ça. Ah bah, tu l'as pris. Et ça. Tiens. Ah bah, t'en as plusieurs. Mais oui, mais en fait, si tu veux, j'arrive pas à voir ce que ça fait. Et j'ai demandé dans mon chat, c'est pareil, je les ai mis en route, ils arrivent pas à voir ce que ça fait non plus. Il faut prendre le truc, en fait. Tu le sélectionnes. Ouais. Tiens, et ensuite, une fois que tu l'as dans tes mains, tu sais, t'appuies sur je sais pas quoi. Et en fait, tu sélectionnes un des rubans et tu le mets dedans. Tu le mets en zoom. Ok. Zut. Et puis ? Et bah voilà. Tu vois, ça forme un truc, mais... Bon, on peut ouvrir la fenêtre. Ah, il y a un token là-bas sur la fenêtre d'en face. De quoi ? J'ai ouvert la fenêtre et tu sais, j'ai décroché le miroir, il m'enquiquinait dans la pièce. Du coup, je l'ai poussé à travers le balcon, il est tombé. Je fais des bêtises, quoi. Mais pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas. Alors, il est où mon machin ? Il est où ? Je l'ai perdu le truc. J'ai tout cassé. T'as perdu quoi ? Bah l'appareil là que je faisais tourner. Quoi ? J'ai Attends, plus dans les mains. Fenêtre, tu l'as pas jeté ? Bah. À travers le balcon que j'ai ouvert, comme une débile. Morceau de verre. Donc ça c'est fait. Non non, je l'ai pas jeté. Je le trouve plus. Bah. Attends, Yuzu, je jette tout par la fenêtre. Bah oui, c'est peut-être ça. Mais non, mais je l'ai pas jeté, je lui ai donné. Il a pas jeté par la fenêtre quand même. Bon, en tout cas, il nous en manque un. Parce que ça va aller là, je suppose. Et ici, donc on a la balance, le cadran solaire et le sablier. Là, c'est la balance. Ça, c'est le sablier. Donc, il manque le cadran solaire. Donc, il faudrait encore un troisième comme ça. Un troisième comment ? Les rubans. Eh ouais, mais... Attends, moi, j'ai plus grand-chose. À mon avis, il faut qu'on arrive à faire l'énigme... Oui, de ça. De l'encens. Donc, tu m'as dit une violette. Ouais, une violette. Entière. Une mandragore, donc tout en bas à gauche. Ouais, mais ça, bah oui, mais on va refaire la même chose. Bah ouais, mais j'ai rien d'autre, hein. Oh. Attends, je peux peut-être... La recette doit être suivie dans l'ordre exact. Donc tu dois d'abord mettre millions de cloches, mandragore et amandes. Ah bah, c'est ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Ah. Alors, million de cloches, c'est t'as violet. T'as moulu l'amande ? Oui. Ouais, le violet, la feuille verte et la poudre d'amande. Eh ben, ça fait rien du tout. Les voisins vont se plaindre. Tapage nocturne, bah oui. De la chance, il n'est pas 22h. Bah. Pour si peu.
Alors, oui, ça doit être ça, mais je suis sûr qu'il faut le mettre dans quelque chose. Fais voir ton bouquin. Attends, je te le pose. Je te pose les deux. Hop. Oui, donc ça, c'est ce qui permettait de voir. Alors, encens à brûler. Ah oui, à brûler. Millions de cloches. Mandragore, amande. Millions. Millions de cloches. Bon, amande, ok. Et Comment tu mandragone. fais pour les mettre dans le pot? Mandragone, mandragone, c'est des feuilles comme ça. Alors, il y en a des longues, il y en a des. Ouais. Alors. Comment tu fais pour les mettre dans le pot? De quoi? Les. Bah, Les tu. amandes? Bah, comme pour poser un truc, tu les prends. Tu les prends. Ouais. Zut, j'ai refermé. Bah écoute, ça marche pas. Moi je les ai là et je les pose. Après je Bah suis. attends, ça c'est les tiennes, ouais. Ouais, bah écoute, j'y arrive pas, moi. Je sais pas, ça veut pas. Alors fais voir ça, c'est quoi? J'ai de la poudre. Non. J'imite les mignons. Mais les doués, mais les Violet. doués. Mais les doués, mais les doués. Eh ouais, mais en dragon, ça peut être que celle-là. Hein. Tu vois? C'est toi qui as la poudre. Alors je vois pas pourquoi ça fonctionne pas. Merci pour le follow! Merci beaucoup, 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 Galouch! Thank Essence. you very much! Comment ça Millions va, de Galouch? cloches entières, feuilles de mandragone entières et amandes moulues à brûler. À brûler. Bon, attends, je réessaye. Millions de cloches. On peut pas les mettre ailleurs, de toute façon. Vas-y, mets tes amandes. Ah, Ah, 249. 249. 249. 249. Attends, attends, attends. 2, 4, 9. Yes! Galouch, bien et vous? Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. EF, ah bah c'est à poser là, ça. Ouais. Tu vas y arriver dans l'ordre, ouais, c'est bon. Non, mais j'ai vu que t'as pas hésité et tout, c'est bien. Je te remercie, merci. Je fais des efforts quand je suis avec toi. Bon, maintenant, il y a les planètes qu'on peut faire. Et je sais. T'es bloqué avec ces planètes. Moi, bon, alors fais Bah voir. oui. Bah oui, Alors parce moi, je que. dirais que c'est avec la taille des bougies. Oui, mais donc la plus grosse, c'est Jupiter. Ok. Jupiter, je l'ai. Vas-y, donne-moi-en une. Tu veux que je te jette J'essaie. Jupiter? Ouais, Tiens. vas-y, jette-moi Jupiter. Ouais. Mais quel jet? Oh bah, un jet de Jupiter. Allez, donne-moi les autres. Tu l'as posé? Oui. C'est vrai? Oui, pose-les, vas-y, pose-les sur le truc. Oh là 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 là, mais quel. Ça arrive. C'est comme moi, j'ai failli hésiter avec l'ordre des lettres de l'alphabet, ça arrive. J'ai bien fait de me moquer juste avant. Oh! Tu connais le jeu, Galouch? Tu as déjà joué? Un jet de Jupiter, oui. Oula. Mars, Jupiter, Neptune, Vénus, la Terre, Saturne. Alors, les planètes correspondent aux lignes de la main. Ah, moi Ou j'ai des les lignes parties de de. la main. Regarde ce que j'ai dans les mains.
Je découvre avec vous, il a l'air sympa. Franchement, ouais, il est super rigolo. Hein on s'éclate beaucoup avec Diablinde tous les deux à jouer à ça. Et avec vous. Et avec vous aussi. J'ai l'impression que c'est le même. Ou alors on fait les différences. Attends, vas-y. Attends, moi j'ai la main gauche, droite. C'est pas logique cette main. Moi j'ai la main gauche. Mais c'est pas possible. Non. Moi j'ai aucun pouce qui part vers l'intérieur. C'est bizarre cette main. Non, moi j'ai la main droite. Bah moi je sais pas. Je suis désolée mais... C'est comme si t'avais le reflet du... Ah non, moi j'ai la main gauche, pardon. Allez, toi, on est en pleine forme, c'est bon. Non mais le pire, c'est qu'à ma caméra, je suis avec mes mains devant moi. Pour regarder, tu la tournes dans un sens, dans l'autre pour voir. Et ça, y a avec les pieds maintenant pour voir, il y a des fois ça marche mieux. Ah ouais, non mais moi, gauche-droite, j'ai jamais réussi. Hein. Donc moi, au niveau du pouce, j'ai Saturne. J'ai Saturne aussi. Bon bah voilà, le petit doigt c'est Mars. Aussi. Majeur c'est Jupiter. Ouais. Bon bah c'est pareil. Neptune, la Terre et Vénus, ouais. Ok. Donc. Bah ça, et par contre j'ai une tache de café moi. Ah mais du coup la main gauche elle est là. Ah vas-y, faut que j'appuie sur les boutons, c'est... redis-moi vas-y c'est quoi. Et il y a un ordre ou pas? T'appuies sur quel bouton? Ah si, attends, la plus petite c'est Saturne, ensuite Mars, ensuite la Terre, ensuite Jupiter, c'est ça? La plus petite c'est... Saturne. Ah bah non, c'est pas la plus petite. Regarde la bougie. Ah, dans l'ordre des bougies? Ouais. Oui, parce que c'est pas dans l'ordre des planètes. Ah, c'est kiff-kiff, hein? Bah entre... Entre Mars et Saturne, oui. Sur la bougie, ouais. Pourquoi? Parce qu'on peut appuyer dessus maintenant? Bah, en fait, regarde les mains. Si on appuie dans l'ordre des bougies. Tiens, les cadeaux, celui-là. On peut pas appuyer dessus. Ah bon? Mais si! Je peux appuyer sur le bouton des mains. Sur le bouton des mains? Regarde les mains, là, de la dadame en face, là. De la madame. Ah, ici! Ah ok. Ah oui, il faut... Ah ok. Eh ben, il faut qu'on appuie par rapport aux feuilles. What? Eh ben, avec nos feuilles. Attends, Diablin, toi qui es fort en anglais, je viens de recevoir un truc trop bizarre. New tweet from Twitch support. Donc, oui. Nouveau tweet de Twitch support. We have... Nous avons... Adapted the error messaging. Ah, bah, oui, les erreurs de message, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? For delay, oui. Unsuspend channel pages, so you will know why the content you're. Nous avons mis à jour les messages d'erreur pour les pages des chaînes supprimées et suspendues afin que vous sachiez pourquoi le contenu que vous, quoi. Il se passe quoi là? Bah t'es pas suspendu puisque... Mais c'est pas une info générale ça? Bah non, c'est une info de mon bot. Que la Pastaga en fait a traduit juste derrière, mais nous avons mis à jour le message d'erreur pour les pages des chaînes supprimées et suspendues afin que vous sachiez pourquoi le contenu que vous... Que vous quoi? Après, je pense qu'il faut cliquer sur le lien, lol. Bah surtout pas, non? Non. Non, surtout pas. Mais c'est quoi un truc que t'as eu dans ton... Dans mon chat? Dans ton chat? Ah bah oui, mais... Non, c'est pas... Jamais... Twitch t'envoie un truc dans le chat. Ouais mais là c'est mon bot, c'est StreamElement en fait, c'est StreamElement qui me met un message comme ça, c'est très bizarre. Ah oui. Tu vois. Non c'est juste Twitch qui a tweeté. Ah qui a tweeté, ok. Bon bah c'est pas grave. Oui parce qu'ils ont fait une mise à jour. Oh d'accord. Ah bah mais, moi le stress c'est la panique quoi. Bah, ça y est, t'es ban. Comme quoi, ils ont changé les règles, c'est tout. Ok, ouais. Merci Mario. T'es ban, tu le sais pas encore. Ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est que tu sais que ce matin, j'ai eu
deux bots qui sont arrivés en fait dans mon chat pour me mettre des liens à des chaînes pour me dire en gros si tu veux acheter plus de viewers et tout ça. Wow, ouais, ouais, j'ai bah dit ouais. Qui c'est que ça? Ah, moi, ils passent pas, moi, ceux-là. Et bah, moi, ils passent. Ils sont éjectés aussitôt. Et là, j'ai pas de modo, moi. Bah, tu stream élément, tu le mets en modo. Je l'ai pas mis en modo. Tu le mets en modo et tu lui donnes des règles. Et dès que quelqu'un met un lien ou des trucs comme ce genre-là, pouf, supprimé. Non, mais je pense que je vais mettre la pastaga en modérateur, je le sens bien, ça. Ouais, mais il suffit qu'elle soit partie faire pipi. Bah, j'ai dû acheter des couches. Alors, on a Jupiter, Saturne. Donc moi, j'ai ouais. La main... Ouais, mais en fait, on a la même main. En fait, non, moi j'ai la main droite. Ouais, mais en fait, c'est la même chose. Oui, alors Saturne, c'est le pouce. Alors, attends. Donc il faut appuyer sur le bouton... Vas-y. Pouce. J'appuie sur pouce. Ensuite, on a dit quoi, Mars ? La Terre, c'est celui qui est juste au-dessus de Saturne. Donc, c'est dans la paume, mais du côté du pouce. Eh ? Attends. Ah oui, ok. Ouais. On a Mars, c'est le petit doigt. Ouais. Et l'autre, c'était quatrième, c'était quoi ? Jupiter. Eh ben, c'est le majeur. Ok. Peut-être faire ça à toutes les mains maintenant. Ouais, non mais il reste pas les boutons. Ah ah ! Ah, attends. Mais t'as fait la main droite ? Ah ouais, donc là, ça marche pas, attends. Ah, il reste pas les boutons. Alors, ça veut dire qu'il faut peut-être les faire dans un ordre. Et donc, une planète par main. Donc, la plus petite. Disons que c'est Saturne. Vas-y, Saturne. On va faire main. Ah, bah oui, on fait gauche. Par rapport aux mains. Ah, bah ouais, oui. Et aux bougies. Là, moi, c'est Jupiter qui est ici. Et Jupiter, il est au majeur. D'accord. Donc, moi, je fais. Hop. Là. Majeur. Moi, c'est Saturne. Et Saturne, elle est où déjà ? Dans la paume pouce ? Mars. Il me semble. Mars, c'est le petit doigt. Ouais, Saturne, paume pouce. Mars, c'est le petit doigt. Et la Terre ? Je ne sais plus. La Terre, c'est juste après le pouce. C'est bon. Ah, ça y est. La clé. Ah. Alors, maintenant, où est-ce que... Ouais, et un élément par main. Ouais, merci, Galouch. Putain, j'aurais vu ton message avant. Ouais, on avait fini par comprendre. Ah si. Des quais, des quoi ? Oh ! Alors, tiens, il y a le troisième truc, là. Bon, maintenant, il faut qu'on retrouve ce que j'ai fait de... Là, c'est le principal. Merci, Galouch. Elle est pas dans la poubelle. Hey, je sais pas où est l'appareil, moi. C'est vrai ? Bah ouais, mais je l'ai pas dans les mains. Non, je suis sûr qu'il est passé par la fenêtre. Avec mes conneries. Bah non, quand même. Bah écoute, je sais pas, hein. Moi j'étais toujours dans la fenêtre, mais j'espère que je te l'ai pas attrapé et puis. Ah, mais t'as vu qu'il y a un truc qui est ouvert là ? Oui, je l'ai ouvert avec la clé. Ah. Ouh, alors ça c'est pour ouvrir le dernier cadenas. C'est au bal de l'empereur que j'ai vu pour la première fois. Très vite, nous sommes tombés amoureux. Et ah, attends, j'ai les cartes. Attends, j'ai les cartes. Ouais, c'est au bal de l'empereur. T'as des cartes ? Ouais, j'ai les cartes de tarot. Alors attends, l'empereur justement et tout ça. Eh bah, tu dois avoir. Il faut prendre l'empereur. Au bal de l'empereur que je l'ai vu pour la première fois. Très vite, nous sommes tombés amoureux et nous avons prononcé nos vœux. Devant le pape. Ah, ce que j'ai été fou. Elle était le monde à mes yeux, mais la bonne fortune n'était pas de notre côté. Et avec le temps, notre amour perdit sa force. Alors, au début, j'ai qu'une seule carte. Après, j'ai deux cartes. D'accord.
Après, j'ai qu'une carte et après, j'ai trois cartes. Alors. Et deux cartes sont plus et les autres sont en moins. Alors, tu m'as parlé de l'empereur. Oui. Est-ce que tu as l'empereur? J'ai l'empereur avec le chiffre 5. Voilà, donc ça va être 5. Vous notez le chat, s'il vous plaît, donc 5. Il faut Quel mot à dire maintenant? quatre chiffres, donc ça doit être là. Alors, tu m'as dit que c'est quoi l'histoire, l'empereur? 5. Ouais. Après, il est tombé amoureux. Il est Très tombé vite, nous sommes amoureux. tombés Les amoureux. amoureux. Alors, 6. Ah oui, mais par contre, nous sommes tombés amoureux. T'as pas deux cartes amoureux? J'ai les amoureux. Elle s'appelle les amoureux. Ouais, mais moi j'ai deux cartes, donc ça me paraît bizarre. Attends, on va tester. Après, quel poète encore? Qu'est-ce que j'ai dit pour mériter? Après, j'ai été fou. Ouais, zero. Bon, ben ça c'est facile, c'est déjà mis. Et après, j'ai trois cartes. Elle était le monde à mes yeux, mais la bonne fortune. Alors, monde. Ah non, elle... non, 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 Alors, non, amoureux, 21. amoureux et pape. Amoureux et pape. T'as pape? Alors, mais attends, parce que là, moi... Attendez, le chat, effacez tout, on refait tout. Alors, Donc, 5. 5, 6, 6. 6 moins pape. 6 moins pape. 6 moins 2, 4. Voilà, donc après, on a Donc, 0. 5, 4, 0. Après, on a... zut. Elle était le monde. J'ai 21. Moins fortune. Donc, moins 10, ça fait 11. Avec le temps, notre amour perdit de sa force. Alors c'est quoi? Amour, force, temps. Donc, 11 moins 5, 6, 7, 8, 3. Non. Cinq quatre zéro un un trois. Merci Galouch d'avoir suivi. De quoi? Alors mon chat me fait 5-6 pape après 5-6 pape 3-2 et heureusement qu'il y a Galouch qui nous a noté 5-4-0-1-1-3. Mais non, non, Merci non, 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 Galouch. non, j'ai que quatre chiffres. Eh 5, ben 4, alors c'est pas 0. ça. Non, non, Cinq. le dernier, c'est... Alors 5-4-0. Donc j'avais dit 21 moins 10 11 moins 8 3. Donc 5, 4, Mais 0, t'as quoi? 3. Il y a Il me monde. manque quelque chose. Elle était monde. Ouais. Après, tu as moins. Ça doit être. Mais la fortune n'était pas de notre côté. Donc c'est moins fortune. Voilà, ça fait 11. Et l'autre, c'est avec le temps, notre amour perdit de sa force. Alors ça doit être La amour. force. Non, Alors, t'as quoi? la force, j'ai la force. Donc ça, ce que je te dis, en fait, si tu veux, ça faisait 21 moins 10 moins 8, donc 3. Et t'as pas amour? Ah bah si, j'ai les amoureux, ça fait Non, pas amoureux, 6. mais amour tout court, t'as Non. pas. Et temps. Non. Donc c'est forcément force. J'ai le soleil. Donc c'est monde. Monde moins roue de la fortune moins la force. 3. Donc ça fait que 3 6. Ah non! 5, on a dit quoi? 5, 4, 0, 3. Oui, Voilà. et ça va pas. Ça va pas? Non mais je vous déteste, mon chat. Ils m'ont mis des séries de chiffres qui veulent rien dire. Et en fait, il y a Galouch, il avait Alors mis 5, 4, 0. l'empereur c'est 5. Ouais. 5 plus 6. Les amoureux 6. Re 6. 6 moins 2 ça fait bien 4. Voilà, Non, c'est 5, 6 plus 4. 2. Ah bah. Donc alors tu fais 5, 8, 0, 3. C'était où? Là. Et ouais, mais ça va pas, il nous faut que 4 chiffres. 5, 8, 0, 3, ça fait 4 chiffres. Oui, 5, 8, 0 et 3. Alors là, je te laisse faire ça, c'est ta De quoi, partie. pourquoi, pourquoi, pourquoi. Merci le chat. C'est ta partie, ça. Faut que C'est t'ailles foutu, prendre dans quoi? le truc. Je vais pas y arriver, moi. C'est où, c'est où, c'est où? C'est là où Déjà, je j'ai vais me faire ouvert, là. fouler. Ouais.
Tu es moqueur ce soir. Alors, il nous manque celui-là. Ah oui, ça c'est la... Ah bah ouais. Alors, c'est l'appareil qu'on a perdu. Ah mais non. Mais c'est pas possible, attends. On peut pas l'avoir perdu. Tu peux pas l'avoir jeté comme ça. Tiens, attends, je t'envoie les trucs. Ouais. Et bah, moi, j'ai plus... l'appareil maintenant. Bah ouais, mais j'ai pas l'appareil sur moi. J'ai deux bouquins et deux feuilles. Et ça, on va plus s'en servir. Alors ça va être poubelle. Et elle est où cette poubelle? Là. L'encens, c'est pareil. Ah, et ça, c'est pareil. Et si je regarde la poubelle, il n'y a rien dedans. C'est bizarre. Et tu penses que quand j'ai commencé à acheter les trucs par la fenêtre, vu que tu étais à côté de moi, c'est passé par la fenêtre aussi? Un bug de co du site du jeu. Je t'ai peut-être pas censé tout jeter par la fenêtre. Voilà, je fais... Ça, c'est moi, ça. Je fais des bêtises et je fais bugger tous les jeux, quoi. Et ben après, on regarde les trucs, on va peut-être réussir à les trouver quand même. Redonne-moi dans un. Par exemple, le... Toutou, c'est quoi ça? La balance. Attends, j'ai réussi à les aligner. Attends, j'ai réussi à les... Regarde. Hop. On va essayer de les regarder de près. Non, ça marche pas. Je suis sûre que tu l'as acheté, ouais. Je suis sûre aussi qu'en fait, sans le faire exprès, ça a été jeté. Qu'est-ce que ça peut être comme chiffre, ça? Ça, c'est un 2. J'irai pas aussi vite que le truc. Ça, c'est lequel? Cadran solaire. Moi, je pense que c'est un 8, le vert. C'est-à-dire le sablier. Hors taxe ou TTC, la TVA, c'est de 5,5 ou du 20%? Hein? Tu penses que c'est un 8? Ouais, je pense que c'est un 8, le sablier. Il y a perdu. Tiens, bah, je te redonne un. Et redonne-moi le sablier, on va se comparer nos idées. Est-ce que c'est pas ça? Bah non. Ah si, on est obligé de quitter et revenir. Non. Non, non, le chat va nous chercher la solution vu qu'on a acheté le truc par mégarde. Moi, je dirais que le cadran solaire, comme ça, c'est un 6, non? C'est ce que j'ai mis. Alors, ouais. Par contre, c'est peut-être un 9. Le cadran solaire? Ouais. Ah, peut-être. Attends, on fera. Ouais, mais elle remonte... Non, parce qu'elle remonte trop, la barre du 9 en bas. Moi, ouais, je dirais bien un 6. Hein. Non, non, ça bah, fait 6. Que... Hein. Bon, bah, c'est ce que j'avais mis, 6. Si ça marche, c'est possible que tu l'aies jeté. 9, non. Ah, tu dirais 9, toi, Galouch, pour le cadran solaire? Et attends, je te donne celui-là. Ah là, je dirais un 9. Par contre, tu vois, on voit bien la truc en bas, là. C'est lequel, celui-là, que t'as? Ah, non.
La balance. Ouais. Ah bah j'ai mis un 2 moi. Ah peut-être ouais. Non, si peut-être un 2 ouais. Qu'il y a le... Ouais, il y a la petite barre là. Qui dit mieux dans le chat? Je dirais un 8, mais un 8 à quoi? Parce qu'ils sont tous différents. Non mais c'est hallucinant. Tu as deux boucles. Est... Il est où cet appareil? Sur celui-là là, sur le... Cliquez pour faire tourner. Bah oui, la mais balance. On appuie le truc. Donc Mario, il dit que la balance, c'est un 8, lui. Pas moi, lol. Bah mettez-vous d'accord. Et dans ton chat, ça dit quoi? Ça dit... tu dis des belles paroles. D'accord, ok. Donc la balance, moi, mon chat pense que c'est un 8. Le cadran solaire, moi, je dirais bien un 6, hein, quand même. Bah, pour l'instant, j'ai mis 8, 6, 8. Alors, ça peut-être pas le sablier, ça doit pas être 8. On va pas avoir 2 fois 8. Non, ouais, ça doit pas être ça. Essaye 9. Galouch, il a proposé 9. Non. 8, 6, 9, c'est pas ça. De toute façon, on va pas faire toutes les combinaisons. Hein. Le cadran, tu dirais 6. Ouais. Donc déjà, on a 6 et 8. On sait que la balance, c'est 8 et le cadran, que c'est 6. On est tous plus ou moins d'accord là-dessus. Tu l'as pas sur toi, le truc hein? Non. Non. Non, mais je regarde pas. Il nous manque... Fais voir le dernier. Tu l'as le... Ah, tu veux l'autre? Ouais. Mais c'est étonnant, il peut être où cet appareil, quoi? C'est un 9. Il est pas à la poubelle. Le sablier, moi je dirais 9. T'as essayé 9, 6, 8. Donc sablier 9. Attends, non. Si sablier 9. Le sablier 9, c'est ce qu'on avait mis depuis le début. Sablier 9, le cadran 6 et la balance 8. Oui, mais c'est ce qu'on essaye depuis tout à l'heure, ça. Ça marche pas? Non. Eh ben. Eh ben, on va pas quitter. Le chat, est-ce que vous pouvez nous trouver la solution juste de ça, s'il vous plaît, sur Internet, vu qu'on a perdu l'appareil, qu'on quitte pas tout, s'il vous plaît. Plaît. Oh, sauvez-nous. Oh, grand chat. Non, mais c'est incroyable, il est parti où, ce truc? Mais je pense que je l'ai jeté, en fait. En fait, si tu veux, je pense que comme t'es à côté de moi et que je passais tout par la fenêtre, je pense qu'en fait, je te l'ai piqué. On peut jeter des trucs par la fenêtre? Mais oui, de ah oui m'amuser justement. Mais oui. Donc du coup, moi, je m'étais amusé à faire ça et je pense que sans le faire exprès, je l'ai acheté par la fenêtre, ouais. Super. Bah j'ai eu un succès en plus. Ah bon? Oui. Mais attends, il peut pas. Le jeu peut pas autoriser à acheter quelque chose qui sert quand même. Bah apparemment si. C'est pas normal. J'ai vu tellement d'injustices ces 30 dernières années dans le jeu vidéo que maintenant plus rien ne m'étonne. Bon bah quand même. Mmh. Bon après c'est un petit jeu mais... Yuzu a tout cassé, bah oui. Mmh. Ah, et je suis où moi là? Avec moi, non? Ah ouais. Non, mais j'ai cru que j'étais...
plus haut que tout à l'heure. Vous avez du mal à trouver la solution ? Là, je sais que ça cherche, là. Non, je les connais, je sais que ça cherche. Moi, c'est collé dans mes dents. À moins que quelqu'un la connaisse, sans chercher. Non, bah non, parce que ma personne ne joue au jeu. Ah. Non, c'est évident, t'as tout cassé, mais t'es en train de chercher la solution. C'est quel niveau, Diablinte ? On est... on est dans le manoir. Le manoir. Mais après, le nom du truc, je ne sais plus. Ça doit être la chambre 4. La quatrième, le quatrième ouais. Du manoir. Le grenier ou un truc dans ce genre-là. On n'était pas dans le grenier ? C'était pas juste avant qu'on était dans les combles, celui dans d'avant. Dans les combles, je sais pas. Bon, ça, ouais, t'interdire de te rapprocher maintenant des fenêtres. Moi, je comprends pas. Tu sais, Diablinte, moi je me suis vue perdre des sauvegardes entières au bout de 50 heures ou 60 heures de jeu juste parce que je suis allée là où fallait pas dans le jeu, quoi. J'ai dit, oh tiens, si j'essayais de faire ça. J'ai fait planter tout le jeu, j'ai fait cracher mes sauvegardes. Enfin, ah, c'est le jeu, hein. Combien de fois j'ai fini hors map, avoir des trucs, le décor arrière de beaucoup de jeux en charge. Je l'avais dans les mains, si tu me l'as pris, c'est incroyable ça. Ouais, je sais pas comment j'ai fait. Hein. T'as de la chance que c'est pas toi que j'ai balancé par la fenêtre. Ah bah oui. Ah oui, ça aurait pu. T'imagines si ça avait été possible. Ah, bah du coup je reviens, j'en ai pour deux petites minutes, j'ai plus de produit dans ma cigarette électronique et j'ai plus de batterie, j'arrive, à tout de suite. Ok. Bon. Pauvre Diablinte, bah oui, je suis pas aidé. On peut en profiter, elle est partie. Elle a un casque sans fil ou pas? J'ai jamais fait attention si elle avait un casque sans fil, si elle nous entend. Sinon on peut dire tout ce qu'on veut là. La catastrophe. On était bien parti. Et là, à part ressortir et revenir, je vois pas comment on peut faire d'autre dans le jeu. Tiens, bah, je vais trouver les jetons en tout cas en attendant. Et j'ai rien là. Est-ce que je peux l'attraper? Non. Parce que j'aurais pu la passer par la fenêtre en attendant. Personne ne trouve. Non, j'ai pas de casque sans fil, je t'avais entendu avant de partir. Ah bon? Non, je n'ai pas de casque sans fil. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? C'est un 3, pas un 9. Ah, 8, 6, 3 du coup. Ils ont trouvé. Ah. Mute. Ah, pardon, je suis mute, pardon. Merci. Et oui, je suis obligée de tout faire manuellement. D'habitude, j'appuie sur un bouton, tout va bien. Puis là, j'appuie sur le bouton, ça marche plus. Alors. Puis comme j'ai pris de mauvaises habitudes. Alors, 8, 6, 3. 6, 3. Merci, Mario. Merci beaucoup. Merci. Oh, j'ai peur qu'il marche maintenant. Ouais. Tiens, hop, c'est voilà. Ton boulot, ça. Alors, SD. Ça va, il reste plus qu'un trou parce que j'aurais hésité.
Hop là. AIVDROLG. De quoi? Bah regarde le mur d'en face. Bon, on est pas encore sorti de là. Hein. Ah bah quel non, homme, mais je croyais. Mario. Mais quel grand homme. AIV. Oh, ça s'allume. Bah attends, pourquoi c'est allumé là? V O I D V O I D Void Covid. Et ils auraient pu faire autre chose pour ce jeu quand même. C'est, oh, c'est moyen. Ah oh non, ça fout mal. Vas-y, tourne. Attends, il y avait d'autres trucs. Hein. Ah oui, bon tu m'as fait rire. Allez, refais. V. V. Bah vas-y, fais-le. O. Attends, alors attends. I. Voix. V. V-O-I-D. O. Non, c'est tout. V-O-I-D. I. D. Ouais, mais je sais pas dans quel sens faut tourner, moi. V. Ah, faut que je... Pardon. O. Bah, ça s'allume, ça doit être bon. I. Oula. Le guéridon s'envole. Ah, puis on sort par là. Ah bah c'est très spécial hein, comme pièce. Hein. Bon, on a quand même et réussi. Bah, 5 sur 8, on a toujours pas le trophée, on sortira jamais. Mais eh, franchement, excuse-moi, mais les temps quand même pour sortir de la pièce, ils sont vraiment courts quand tu connais pas le jeu. Ah oui, non, mais c'est clair. Après... On est bien d'accord. Ouais. On est pas ce si niveau, lol. Que ça, GG. Fait. Ah bah oui. Merci. Merci de nous mais avoir aidés, merci beaucoup. On bloquait pas, hein, à part... jeter des trucs par la fenêtre, sinon on était bon. C'est ma faute, promis, j'arrête. Je fais plus de bêtises.